Tu as marqué un but. Content de match? Oui, je suis très content du résultat contre une très bonne équipe de Nottingham. On a pu se mesurer à eux, voir comment jouer une équipe de ce niveau. Et donc c'est super intéressant pour nous de voir un peu notre championnat. Et puis on a fait très bonne figure. Je pense que personne ne s'attendait à ce qu'on fasse ce résultat. Et on a été solide. Donc voilà, je pense que la deuxième mi-temps était un peu meilleure que la première. Mais le résultat est très intéressant pour nous. Oui, toi, personnellement, tu as fait des beaux matchs cet été. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens en pleine forme. Je suis en réussite et ça se voit sur le terrain. Donc voilà, je continue à travailler. J'ai encore le rythme à prendre, mais c'est en bonne voie. C'est vrai que j'ai fait une bonne préparation et j'espère continuer jusqu'au début du championnat et puis pouvoir commencer en très bonne forme. Est-ce que le Nottingham Forest est la meilleure équipe que tu as joué jamais? J'ai joué quelques équipes de haut niveau, mais ça fait partie des meilleures équipes que j'ai jouées dans l'intensité de jeu, au niveau physique surtout. Ça me permet de voir un peu comment se comportent les défenseurs de haut niveau. Et c'est toujours bien, c'est bien de se frotter à des joueurs comme ça. Mais en tout cas, il y avait beaucoup de bons joueurs aujourd'hui sur la pelouse. Dernière question, les supporters aujourd'hui, ils étaient plus de 1000 supporters d'Antwerp ici. Qu'est-ce que tu penses? C'est super de pouvoir avoir autant de supporters qui se déplacent comme ça en Angleterre. C'est pas à la porte à côté et ça fait super plaisir de les voir ici, de les entendre chanter. Et surtout qu'il y ait la chance de marquer, c'est un bonheur de pouvoir aller fêter ça avec eux. Ils font plus de bruit que les supporters à domicile. Et c'est rare de voir des supporters comme ça, donc voilà, je voulais dire de grosses choses à des supporters. D'accord, merci Jordan.